Ça m'étonne, il y a des fois, c'est d'annonce et d'âme. Et j'en ai d'autres qui vous appellent des fois, qui nous disent, mais ça a des gels, des arènes, ça a 15, 16, 17, ça a toujours fait l'école. Les parents, ça ne travaille pas. On va d'abord se lever debout pour la prière des lions. Et puis vous savez que dans notre zone 53 ouest, on la fait aussi bien en français qu'en anglais. Alors, Seigneur, sois avec nous, lions. Merci beaucoup. Il est trop fou dans la ville. Lyon Jules Bellet vient de nous faire, ancien Lyon Jules Bellet vient nous faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Il va nous la chanter la prière un peu plus tard. En avant, en avant, en avant. Alors, j'aimerais d'abord vous présenter notre table d'honneur. Nous avons à Michel Chabot. À sa droite, Lyon gouverneur du Club Lyon de Thetford Mines, Lyon Hélène Gagnon. À votre extrême gauche, du Club Lyon de Farnham, il a été gouverneur en 2000-2001 et actuellement président du Club Lyon de Farnham, Lyon Emmanuel Roy. À sa gauche immédiate, sa conjointe aussi du Club Lyon de Farnham, Lyon Monique Roy. Et au centre, membre à vie du Club Lyon de Farnham et président de notre soirée de notre 60e anniversaire, Léopold Desnoyers. Une vingtaine de minutes, ce sont toutes des photos du Club Lyon de Farnham depuis quelques années, mais les photos les très très anciennes ont disparu à un moment donné quand il y a eu une inondation dans le sous-sol et nos archives étaient conservées. Alors, les vieilles photos des années 50, 60, 70, on n'en a plus. Mais les autres sont là, sont cumulés. Ils ont été choisis par Lyon François Bette, qui a fait un travail de moine et demi avec ça, pour en choisir, avec Lyon Ron McPhail, qui est, je ne sais plus où, qui devrait être là. Et le montage de tout ça a été fait par Serge Bernier Potage. Je vais simplement vous lire un cours historique du Club Lyon de Farnham. J'en ai pas bien long, j'ai à peu près 60-65 pages, ça devrait aller assez vite. Comme la plupart d'entre nous le savons, le lyonisme a été fondé en 1917 et est implanté au Canada depuis 1920 et au Québec depuis 1922. Le Club Lyon de Farnham a été le 24e club fondé au Québec. Dans le district U4 dont nous faisons partie, nous sommes le 5e plus ancien club, après Magog, Sherbrooke, Quaticook et Cowansville, qui est d'ailleurs notre club parrain. Bravo!
Au Québec, nous sommes le 16e plus ancien club parmi à peu près 200 clubs dans toute la province de Québec. Il y a près de 350 personnes qui ont joint les rangs du club Lord Farnham au cours de ces 60 dernières années. Le club a organisé plusieurs activités mémorables durant cette même période, tout en amassant et redistribuant des dizaines de milliers de dollars. Mentionnons seulement le corps des clairons de Farnham, la fameuse barbe botteuse de Parc en Ville, le camp scout, des bourses d'études pour les étudiants de la polyvalente, l'aide aux personnes âgées et handicapées avec notre fameuse autobus adapté qu'on a eu pendant des années, et aussi la Fondation NIA par la construction du Chiel au lendemain de la tempête du Verglas en 1998. Soit dit en passant, le Chenil porte actuellement le nom de Chenil Lyon Jacques Langelier, qui est avec nous ici. Au fil des ans, le club a notamment accueilli des coureurs en fauteuil roulant, dont André Vigée, Chantal Petitclerc, Diane Roy et plusieurs autres dans le cadre de l'événement Éco-Roule. Cette activité sportive de sensibilisation a été présentée au Centre de la nature de Farnham à 9 reprises avec la participation de plusieurs centaines de personnes à chaque année. Le club de Farnham a également présenté un spectacle d'un humoriste imitateur, André-Philippe Gagnon, et donné la parole à plusieurs conférenciers de renom. En 1987, on a reçu M. Yves, excusez la prononciation, Kokenburger. En fait, c'est le conjoint de Mme Diane Hébert. Ce dernier avait accepté à pied levé de la remplacer pour venir faire une conférence sur le don d'organes. La célèbre transplantée du cœur-poumon a dû annuler sa visite à la dernière minute en raison d'un début de pneumonie. Plusieurs membres ont marqué l'histoire de notre club en perpétuant l'œuvre de notre président fondateur, le colonel Frederick Miller. Le dernier membre fondateur qu'on a eu, Leon Roy Cook, est décédé en 1997. Page 2 de 63. Emmanuel Leroy a présidé aux destinées de l'organisme pendant 5 ans. Je pense que c'est un record. Ses collègues, Maurice Godette, Yves Bédard, Claude Chiasson, Jacques Langelier, Jacques Lacoste et François Audette ont par ailleurs complété au moins 2 mandats. Notre illustre Lyon, Normand Arquin, lui s'est démarqué par son implication communautaire et ses talents de vendeur. Tous les gens de Farnham le connaissent comme un vendeur de billets de tirage, de soirées gageurs, de gâteaux aux fruits, de la pain-pain, etc., etc., etc. Notre rivière, dotée d'un parc municipal situé à l'entrée ouest de la municipalité, porte d'ailleurs son nom. Il s'agit du parc Lyon, Normand Arquin, où se trouve notre hache de métier. Madame Danielle Berger, table de neuf, a été la première femme à joindre le club Lyon de Farnham et aussi la première à en devenir présidente en 1994-1995. Avec moi. En 1978, sous la présidence de Lyon, Roland Gingras, table de 6. Bonjour Roland. Le club a organisé le congrès du gouverneur Lyon-Marcel Séguin du district Hall-8 dans le temps. Pour une rare fois, il n'y avait pas de conférencier international invité, mais c'était la toute première fois de la tenue de la cérémonie nécrologique à un congrès de district. Il y a plusieurs responsables de ce congrès de 78 qui sont avec nous ce soir. Ainsi, dans ce temps-là, on avait 2 co-présidents, le regretté Lyon-Normand Arquin et Louis Bernard, table 10. Le responsable de décoration, de l'aménagement et tout l'emplacement qui avait là, c'est un monsieur Gilles Audet, qui était à la 12, mais était rendu à la 3. Un homme. Tout ce
qu'il y avait d'infrastructures et d'hébergement dans ce temps-là, c'est notre illustre lion Maurice Godette qui en était responsable, table 8, qui n'est pas venu encore. Ah, il arrive, mais oui, il est là-bas. Bonjour, Michel. À la publicité, notre chanteur de ce soir, Jules Bélisle. Et dans ce temps-là, vous le savez, les dames n'étaient pas admises dans les clubs Lyon. Alors, il y avait quelqu'un qui était en charge des activités féminines. Je vous le donne en mille, c'est qui celui-là? En charge des activités féminines, nul autre que Ron McPhail. Je pourrais vous entretenir de plusieurs choses. Les Lions vont se souvenir du gala de patinage artistique. Des nombreuses parades, dont une avant même un vrai lion. De la course des canards, de la course de bac à déchets. Des fameuses soirées gageurs de Léonormand Arquin. La construction du chenil Mira. Et aussi de deux défibrillateurs qu'on a fournis pour l'aréna et les pompiers, etc., 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 etc. Plus récemment, une fois qu'on a vu notre membership fondre pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, les membres actuels sont encore très fiers de l'accomplissement du Club Lyon de Farnham. Si le passé est garant de l'avenir, nous prévoyons un immense succès à la journée des Townshippers, qui est organisée conjointement par la ville de Farnham et l'Association des Townshippers, dont le territoire englobe complètement le district U4. La directrice générale de l'Association des Townshippers, Mme Ingrid Marini, est d'ailleurs avec nous ce soir. Cette journée spéciale, les Townshippers attireront environ 8000 personnes de tous les coins du district à faire connaître notre ville. Le Club Lyon de Farnham est l'instigateur de la candidature de la ville de Farnham à la tenue d'une telle journée et Lyon Denis Riel, qui est retenu ce soir à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un banquet militaire, agit à titre de président du comité organisateur. Pour les Lyons des autres clubs dans le district, vous serez sollicité pour y participer sous l'égide de la Commission des relations publiques dans le cabinet du futur gouverneur Lyon-Robert Giasson, à la table 5. Alors, comme vous pouvez le constater, nous ne chômons pas. Et je m'adresse ici aux non-membres et aux anciens membres. Si jamais le cœur vous en dit, venez donc vous joindre à nous. Alors, bon appétit tout le monde. Je vous reviens tantôt avant le dessert. Ça veut dire que les gens de Farnham, pendant 60 ans, nous ont accueillis, nous ont aidés. Les gens ont été de connivence avec nous. Parce que les Lions, vous le connaissez, des patentes, là, on en a fait. Et je vois des sourires, là, déjà des anciens membres, là. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait dans les Lions, là. Je vous dis qu'il y en avait des vertes et des pommes. Mais on a fait des bons coups. On a fait des bons coups. Tantôt, Claude, pas mal tout énuméré ce qu'on a fait, tout ça, puis je pourrais en rajouter, là, parce qu'on a voulu ménager un peu nos anciens membres. On a eu des présidents extraordinaires. Des gens qui se sont dévoués. J'aimerais qu'on les félicite. Des anciens présidents, s'il vous plaît, levez-vous, vous le méritez. Levez-vous. Applaudissez. Mesdames et messieurs, nos anciens présidents. On aurait aimé les avoir tous. Malgré, la vie a fait en sorte que
Dans 60 ans, moi non plus, je ne suis plus là. Donc, Claude, il dit qu'il va être là. Peut-être avec une machette, mais il va être là. Dans nos 60 ans d'existence, on a eu beaucoup d'implications, comme je disais tantôt, de la part de nos gens. On a eu un appui total, inconditionnel de tous les gens de Farnham. La ville de Farnham en particulier, depuis 60 ans, ces gens-là, tous les conseils municipaux nous ont appuyés. Et puis, je pense que c'est rendre hommage à la ville de Farnham si aujourd'hui on est ici et puis on peut discuter ensemble et puis se réjouir ensemble de nos 60 ans d'existence. Bravo à tous nos commanditaires pour nos 60 années. Pour finir, donc tu me connais. Je m'excuse. T'as-tu commencé à chronométrer? Cinq minutes. Ok, merci. On a eu la chance d'avoir comme parrain le Club Lyon de Coinsville. Et puis ce soir, je voudrais rendre hommage en particulier à un Lyon que peut-être que vous n'avez pas connu tellement, mais moi que j'ai eu la chance, puis quelques-uns ont eu la chance de côtoyer, le Lyon Mitch Bédard, qui a été un des membres qui a organisé les rencontres Lyon pour la formation du Club de Farnham. On a avec nous ce soir Lyon Suzanne. Viens ici, Suzanne. Viens, viens me voir. Lyon Suzanne, en mémoire de Mitch. Merci. Merci, Suzanne. Ça commence à être des pleurs, j'espère que ça finira pas. On a eu aussi, là je commence comme ça, deux femmes extraordinaires, deux seules présidentes dans le club. Ça fait 60 ans sur deux, c'est pour 30 ans chaque. Claude, t'as raison. On a eu Lyon Daniel, ici. 94-95 présidentes. Merci. Merci. On a eu aussi, Lyon Monique, deux termes, 2001 et 2003-2004. Merci, Lyon Monique. C'est mon épouse. On a eu tantôt, nos présidents se sont levés. J'avais ce soir un choix là. Ça a été difficile. J'ai été gouverneur du district du 4. À l'époque, j'avais 43 clubs que j'avais la charge. Et puis, j'avais une médaille de gouverneur. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter cette médaille-là à deux anciens présidents du club. Et j'aimerais inviter à l'avant Lyon Maurice Godet. Lyon Maurice. Lyon Maurice a œuvré avec nous autres pendant des années. A été un excellent président. Dévoué. Il n'a fait des mauvais coups, là. Il n'a fait des bons aussi. Mais vous jouez les comptes? Bien, Maurice, ma médaille de gouverneur. Félicitations. Un autre qui a travaillé très, très fort pour le Club de Lyon, qui même dernièrement encore travaillé pour le Club des Lions, puis je leur remercie énormément. Lyon Roland. Roland Gingot. Oui. En passant,
Le logo du 60e, Roland Gingras. C'est lui le dessinateur. Félicitations, Roland. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez voir, mesdames et messieurs, que durant 60 ans, on a eu un plaisir énorme à travailler. Un plaisir à faire du bénévolat. Et puis, je pense que tous ceux qui ont participé, on nous a dit, puis le calcul est approximatif, sans doute plus, là, qu'il y avait eu 350 personnes, 350 membres qui ont participé dans la ville de Farnham au bien-être et au mieux-être de nos gens qu'on dessert. Donc, je pense que ça vaut la peine d'applaudir tous ces gens-là. Sur ça, moi, je termine. Je vous souhaite une belle soirée, une agréable soirée et bon souper. Merci. Tu me montrerais tes 160 ans? Non, oui, 160. Il n'y aura pas une discours. Belle chambre. Passons au ciel. Ça va marcher. Et puis après, on pourra continuer le placotage et, comme je vous disais, régler les problèmes du monde entier que vous êtes en train de faire présentement. OK? Alors, moi, je veux simplement vous dire qu'on a une présentation spéciale à faire ce soir. Et puis, il est membre Lyon depuis très longtemps. En fait, depuis 45 ans. Du temps où tout se passait en anglais. C'est vraiment que j'étais même pas au monde. Il a été connu comme homme d'affaires, courtier d'assurance et père de famille. Il a toujours été reconnu comme un homme honnête, intègre et juste. Il a présidé aux destinées du club de 80 à 81. Et il est très fier d'être l'instigateur du bon parler français lors des réunions de Lyon. Il a de savoureuses anecdotes à vous raconter à ce sujet-là, n'est-ce pas? Il y a quelques temps, on lui a demandé d'être le président d'honneur de la soirée d'anniversaire. Et puis avec son enthousiasme bien connu, il a accepté tout de suite, malgré son horaire très chargé.
En plus de soigner, comme il l'a dit, ses petits bobos de vieillesse, lui et sa conjointe Lise sont très fiers de partager intensivement la vie de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Alors, au nom du Club Lyon de Farnham et de la compagnie d'assurance Unicours, dont il a été un des piliers avant sa retraite, il nous fait plaisir d'offrir à Léopold Desnoyers la distinction de compagnon de Melvin Jones. Oh, wow! Est accordé. Tu peux parler pareil. Un lion qui, dans sa vie de lionniste, a donné le meilleur, le maximum de ce qu'il était capable de faire. C'est la plus haute distinction internationale qu'un lion peut recevoir. Lion Paul, tu le mérites. Félicitations. Est l'instigateur de l'arrivée du CLSC à Farnham. Alors, pour continuer, je vais simplement vous dire qu'elle chante merveilleusement. Vous l'avez entendu un petit peu tantôt pour notre 160e, tu vois. Durant de nombreuses années, dans la coiffure pourtant, Liane Lacoste pratiquait inlassablement des chansons de son répertoire. Elle se produisait à l'occasion de différents événements. Mais depuis quelque temps, la retraite aidant peut-être, elle se spécialise dans un répertoire destiné aux résidences de personnes, aux résidents des maisons d'hébergement pour personnes âgées. Ainsi, les week-ends, elle offre de merveilleux moments, de détente et de nostalgie à ceux qu'elle admire beaucoup. Sa façon chaleureuse, presque maternelle, de présenter ses chansons, fait d'elle une artiste d'exception. Elle nous a préparé quelques pièces dont elle se fera un plaisir de nous entretenir. À million, mesdames et messieurs, Madame Liane Lacoste. Merci. Je suis un peu gênée. Merci, Claude, c'est gentil. Et oui, je viens chanter pour vous, les beaux lions et les belles lionnes. Des gens généreux, je vais vous faire des belles chansons généreuses. Comme vous êtes des gens qui aimez la vie, la première, elle va vous en dire beaucoup. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce
ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trouver, à jamais perdu pour moi. Voir encore regarder, voir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est bon. J'ai une belle chanson pour vous qui va vous rappeler de bons souvenirs, puis qu'en même temps, qu'on peut communiquer de toutes les façons. On n'a pas besoin de parler toutes les langues du monde pour se communiquer. Juste un petit peu. You are the one for me, for me, for me, for me, babe. You are my love, baby, 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 babe. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. But I can you see me, see me, see me, see me now. Je parle mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton rose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi. Je vais essayer.
pour toucher le cœur de chacun d'entre vous. C'est une des plus belles chansons que j'ai écrites à mon avis. Elle s'appelle L'Essentiel. Oh, ça m'a frappé dans le tapis. Ça, ça frappe fort. C'est d'être ce n'est pas la fortune, ça fait, la célébrité. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Je crois que l'important est de vous dire bien. Être attendu le soir et courir en chemin. L'un des plus beaux cadeaux. La fête d'éveiller mon cœur. Mais je trouvais qu'elle était rassembleuse. Et puis, pour un groupe comme vous, de bénévoles, de gens généreux, je vous demanderais juste de m'accompagner un petit peu, facile à chanter. Et puis, si vous avez le goût de vous prendre par la main, puis allez-y, suivez votre cœur. Ça s'appelle « Prends ma main ». Thank you.
comme le poignet de la lune. C'est ce que je disais mon père, qui est dans le secret de la vie. Et qu'il a laissé le soir à ses enfants d'une grande vie. Je veux remercier mon comité parce qu'une soirée comme ça, ça se fait pas tout seul. Fait que dans mon comité, j'avais Lyon, Emmanuel et Monique Roy. Lyon, François Audette et sa conjointe Lise Mass. Et j'étais épaulé par les Lyons, Claude Chiasson et Ron McFain, qui ont été épaulés comme vous. Ça a bien été. Comme vous savez, ben, ça coûte cher, ça, faire des parties de main, ça fait qu'on a des bons commanditaires, puis je revenais dans les souligner. Tu vas faire ça vite. On a Daniel Berger, de Fleur Excel, pour les ballons et les fleurs. On a le Lyon Roland Gingras, de l'imprimerie Farnham. C'est le logo qu'on a, là, notre belle pin, là. On a Serge Malignier ici pour les vidéos et les photos. Il a mis énormément de temps. On a Lyon Claude Chiasson pour l'écran et le projecteur. On a la ville de Farnham pour le cocktail. On a le journal L'Avenir. On a Hélène Paquette du journal Le Courrier pour le beau cahier spécial du 60e, qui a été commandité par la ville de Farnham, Gaétan Allard de Dimension Sport, Denis Vallée et José Lagu, optométriste, Unico Assurance de Farnham, Coombsville et Bedford, Germain Boucher Sport, moto, bateau, motoneige, Excavation CMR de Farnham.
la clinique Carole Leblanc de Sainte-Sabine, Transport d'excavation coupable, Denis Aymon de Jean Coutu, François Audet, propriétaire du site Les Jean Farnham, la Caisse populaire de Farnham, c'est fini. Je vous souhaite une... J'ai pas pris trop de votre temps. Je vous souhaite une super belle soirée, puis je suis très content de l'assistance, de tout vous revoir, parce que ça a été bien agréable. Jusqu'à là. C'est fort. Merci. Merci, Jean. On a encore une partie de Lyon à faire. Notre gouverneur va nous adresser deux mots. Je lui ai seulement alloué 75 minutes. En seconde, je m'excuse. OK. Lyon-Hélène Gagnon est née à Thetford Mines, une famille de 7 filles et un garçon, le chanceux. Elle est la conjointe de Lyon-Michel Chabot depuis 43 ans. Ils ont 3 filles, Cathy, Christine et Martine, ainsi que 9 petits-enfants, 4 filles et 5 garçons. Elle est récemment retraitée et elle occupe le poste de commis-comptable durant 25 ans au sein de l'entreprise familiale. Son loisir préféré est de passer du temps à sa résidence secondaire à faire de la lecture, de la marche et se détendre au bord du lac. Et puis on a vu le lac, c'est très beau en passant. Membre Lyon depuis 1997, elle a occupé différents postes, directrice, présidente, chef de protocole, secrétaire, etc. Et au cabinet, elle a fait naturellement toute la hiérarchie, président de zone, président de région, vice-gouverneur et finalement gouverneur cette année. Elle a depuis reçu les récompenses d'excellence Gilles Mélenchon avec 2 diamants et elle est aussi compagnon de Melville Jones. Amenons, mesdames et messieurs, la gouverneure du district U4, 2011-2012, Lyon-Hélène Gagnon. Membre Lyon et les conjoints, bien sûr, et les invités, bonsoir. Ce n'est pas par hasard que le Club Lyon de Farnham célèbre cette année 60 ans d'existence. En effet, lorsqu'on a l'occasion de côtoyer ses membres, on constate qu'ils ont le cœur de servir le lyonnisme et savent transporter cette faveur dans leur entourage. Votre présence dans la communauté, c'est important, et 60 ans à rendre service, on ne peut passer cela sous silence. Au cours des années, vos membres Lyon se sont impliqués à plusieurs niveaux dans le lyonnisme, que ce soit au sein de la communauté, de son club, au niveau de leur zone, ou du district. Ce dévouement de vos membres nous permet de constater que vous avez à cœur de servir et d'aider votre prochain. Depuis 60 ans, vous avez organisé de nombreuses activités dont les fonds ont servi à secourir plusieurs personnes dans le besoin. Je félicite le Club Lyon de Farnham pour ses 60 ans de loyaux service. Merci à tous ses membres pour leur fidélité et leur dévouement envers le lyonnisme. Longue vie au Club Lyon de Farnham, et cela, moi, j'y crois. Merci beaucoup. Merci, Lyon. Tu es là? On va aller remettre à Lyon-Gouverneur sa fameuse rose. Je demanderai aussi à Lyon-Hélène de revenir en avant, ainsi qu'à Lyon-Emmanuel de rester en avant, parce que là, on a quelques petites présentations à faire. Je suis rendu à la page 54 de 63. Il est aussi membre du Club Lyon de Farnham depuis très longtemps. Depuis 78, en fait.
Il a fait carrière avec le Canadien Pacifique dans les belles années. Il a traversé le pays au complet, en train, avec les hauts dirigeants de la compagnie. Dans ses tâches administratives, il a géré des budgets dans les millions de dollars avant de prendre sa retraite. Alors, c'est pourquoi le club Lyon de Fontaine lui a confié ses coffres et qu'il est notre trésorier depuis quelques années. Il est reconnu à Farnham comme Monsieur Bonbon. Avec sa conjointe André, depuis des centaines d'années, elle est patiente, la madame. Il participe à toutes nos activités et il s'occupe beaucoup des personnes âgées dont la santé est beaucoup moins bonne que la leur. Au nom du Club Lyon de Farnham, il nous fait plaisir d'offrir à Lyon Ron McPhail la distinction de compagnon de Melvin Jones. Du Club Lyon International. Il s'agit de la plus grande distinction accordée par l'association à ses membres. C'est surtout grâce à la croissance des compagnons que la LCIF, comme on la connaît, la Fondation du Club Lyon International, ont pu répondre aux besoins humanitaires autour du monde. Et c'est cette même fondation qui nous a envoyé un chèque de 10 000 US lors du fameux verglas de 98. Je demanderai à tous les détenteurs de la distinction de compagnon de Melvin Jones ici de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a un autre membre de Lyon depuis plus de 20 ans. Il a été président du club Lyon de Farnham à deux reprises. Il aimait les visites de notre club jumeau au Vermont. On parle encore de sa hantise de prononcer un discours en anglais. Il donne beaucoup de son temps et de son talent aux différentes levées de fond du club. Il est affable. Il aime parler, surtout aux femmes. Il connaît aussi les millions de potins d'à peu près tous les farnamiens, puisqu'il est coiffeur pour hommes depuis 45 ans. Alors, je demanderai, je m'excuse, au nom du Club Lyon de Farnham, je demanderai à Lyon Michel Chabot, président de la Fondation des Clubs Lyon du Québec, de présenter la distinction Trichkoffen à Lyon Jacques Lacoste. Cette récompense de distinction a été frappée à l'honneur de M. Trichkoffen, le premier membre des Clubs Lyon du Québec à accéder au poste de président international des Clubs Lyon en 73-74. Cet honneur prestigieux est présenté à des membres Lyon qui ont œuvré au sein de notre association avec distinction et qui, comme M. Trichkoffen, ont été un exemple de dévouement dans leur communauté. La présentation du projet récipiendaire ressemble un peu au précédent. Il donne aussi beaucoup de son temps et de son talent à différents de mes fonds du club. Il est aussi affable, gentil,
et il parle, il aime parler, il parle, il aime parler, et il parle encore. Il est aussi du genre un peu nerveux, avec des millions d'idées les plus surprenantes les unes des autres. Il n'arrête pas deux minutes. On a même essayé de filer un autre club du district du monde. Soit qu'il n'en veut pas, ou soit qu'on est trop attaché à lui, mais il est toujours membre actif à Farnham. Alors, au nom du club de Farnham, je demanderai encore une fois à Léon Michel Chabot, président de la Fondation des clubs du Québec, de présenter une médaille d'excellence Gilles Melançon à Léon François Audet. La médaille d'excellence a été frappée en hommage à Gilles Melançon, premier membre lion du district multiple U, à devenir directeur international de l'Association internationale des clubs lions en 97 à 99. La médaille d'excellence est présentée à des membres lions qui ont servi leur communauté de façon remarquable et qui ont fait preuve de vision, ce qui les a placés dans la catégorie de vraiment gardistes. C'est beau, François. Félicitations, François. Un fait de breaking. Félicitations, François. Je demanderai au président Emmanuel, bien gloire, venir en avant, offrir des fleurs à certaines, à plusieurs dames hors de l'ordinaire. Ces dames ont été aidées grandement lors de la préparation de cette soirée. Alors, j'invite en avant Jean-Monique Roy, Liane Lacoste, Élise Mars, et ça va, c'est fini. Elle écoute pas Lise tantôt quand j'ai nommé son nom, c'est ça. Je suis en train d'attacher l'affaire à mon chum. Ah, c'est la faute à son chum, t'as dit. Ceci conclut la fameuse partie cérémoniale de Lyon de la soirée. Alors, je vous les invite, en fait, c'est un mauvais timing, mais ce matin, je vous invite à relaxer avec un dessert café thé étudiant, mais je pense que c'est bien fait. Alors, continuez à jaser, on va vous revenir dans quelques minutes. Oh, ça a l'air qu'on a un tirage de moti-moti. Oh, c'est bon, ça. Non, des dedans. J'arrête tout de suite avant de dire des bêtises et j'invite Manon Morissette du Club Lyon de Saint-Hyacinthe à vous expliquer tout ce qui se passe avec Cécile. Bonsoir tout le monde. Mais oui, notre Cécile a eu le malheur de perdre son chien l'année passée et elle a fait une demande pour un chien avec la Fondation des Lions du Canada. Et elle est partie lundi. Elle est partie pour un mois, elle est à Oakville, elle est après prendre connaissance avec son chien, puis elle va être là durant un mois, elle va revenir à la mi-avril.
Donc, Cécile a la chance d'avoir un chien qui va être la même sorte, un caniche royal. Et puis, elle est en train justement de prendre tout ce qui se passe là-bas à Hauteville. Fait qu'on va avoir une expérience là, à partager avec vous tous. Et pour ça, le Club Lyon de Saint-Hyacinthe va organiser le 29 septembre une soirée bénéfice pour donner au suivant. C'est évident que la Fondation des Lions du Canada élève des chiens. Il y a des coûts qui sont reportés à ça. C'est au minimum de 20 à 25 000 $. Ils demandent pour un chien pour les non-voyants qu'au moins qu'il y ait un don-retour dans l'entour de 6 000 $. C'est évident que nous, on est très fiers que Lyon-Cécile puisse faire partie de ce programme-là. Et puis dans le but justement de permettre à d'autres gens d'avoir des chiens de la Fondation, donc c'est important de faire des levées de fonds pour justement donner la chance au suivant. Donc, mettez à votre calendrier le 29 septembre, on va vous envoyer des invitations. Ça va être à Saint-Hyacinthe, ça va être un souper michoui. Tout le monde va être les bienvenus chez nous. Vous allez tous recevoir de la correspondance, probablement qu'au congrès, on va avoir des documents et des informations à vous transmettre. Donc, merci à tous, puis parlez-en. Merci, Mme Maman. On sait très bien que c'est bien une fondation qui fait de l'excellent travail, alors ça vaut la peine d'encourager ça. Bon, ça a l'air qu'on avait à moitié-moitié retiré. Est-ce qu'on a des billets, quelque part? Donc, vous voulez bien qu'on ne fasse tirer qu'un seul billet pour 220 $. C'est le plus de moitié-moitié. OK? Alors, je vais demander naturellement à notre lion gouverneur. Oh, pour ça, c'est tout contrôlé selon la firme Gagnon, Chabot et je sais pas quoi, là. C'est ça. Gagnon, Chabot et filles. Gagnon, Chabot et filles. Et l'aigu. Et l'aigu. Et l'aigu. OK, on dit Laurent. Ah, Laurent, ça, non? Je vais jeter la pomme parce qu'on a un autre tirage. Il faut pas oublier. Monsieur Bierrand. Hey, ça commence, devinez par quoi? 587. Le saviez-vous? 587-42. 587-42-9. Il me reste moins, non? 587-42-9-8. Allô, c'est qui? On entend des cris par là. Noëlla Morin de Boucherville. Enfin, c'est pas mal bon. C'est toi qui as l'argent, là? Chose, c'est Monique. Alors, tu vas voir Monique. Hey, félicitations. Je m'attendais là et je bois du vin rouge. Vous êtes pour envoyer les coups. Yo, François Audet, qui prend. J'exagère jamais, 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 jamais. Oh. On me dit, Denis, que c'est un argent Canadian Tire. Alors, je vais demander cette fois-ci au président de la Fondation des Lions du Québec de sortir un billet vert, s'il peut. Oui, j'ai une série, ça. Oui, dans le fond. Il y en a sorti un blanc. Mais il est encore orange l'autre bord. Alors, ça commence encore par 5-8-7-4-2. On est proche? 5-8-7-4-2-7. 5-8-7-4-2-7. 5. Alors, les trois derniers chiffres, c'est 2-7-5. Il n'y a pas personne. Oh, Jean-Marc Lachance, bravo Jean-Marc. Bon, merci.
Il a eu Jacques. Alors, tous ceux qui ont un billet vert, venez partager. Chacun de flan. Il y a plein de 6 qui me meurent, je ne sais pas quel bon est. 1, 6, 3, 5, 6, 1, 6, 3, 5, 6, 1. 1, 6, 3, 5, 6, 1. C'est quoi, Daniel? Il est parti. Oh, vous avez mon nom. Ah, c'est une question d'oreille, hein? Ah, c'est pas parti, mais... Il faut faire attention au petit lion, par exemple.